J'y vois plus rien. Oh là là là. Oh, peut-être avec du colis. Sacre bonheur total, hein, t'as bien visé, hein. Oh. Et c'est pour ça que t'as quitté la noce en hurlant. Que tu peux être douillé, hein. Bon, viens là, ta sœur va s'occuper de ton bambou. Ah non, tu ne jettes plus rien, hein. Ah non, oh, ah, non. C'est de ma faute. Donne-moi une chance de pas frapper. Bah dis donc, t'étais bien armé, j'espérais pas t'y échapper, hein. Ah, un mouchoir. Allez, alors. Assieds-toi. Maintenant, ouvre ton œil. Mais non, mais l'autre, enfin. Je peux pas, Laurie fait ventouse. Bah, n'importe quoi. C'est du riz incollable. Allez, c'est juste un mauvais moment à passer. Ah, parce que je me suis dit tout à l'heure à l'église, tiens. Hein? Ah non, hé, tu vas pas encore remettre ton mariage sur le tapis. Quoi? Je suis marié quoi, depuis 10 minutes? Je suis déjà infirme. Si ça, c'est pas un signe. Hein? C'est chaque. Corinne est une femme parfaite. Oui, bah surtout pour un autre. Et vous êtes ensemble depuis 5 ans. Oh, mais je suis incapable d'être l'homme d'une seule femme. C'est au-dessus de tes forces, oui. Voilà, c'est au-dessus de mes forces. D'où l'intelligence de Corinne, qui a toujours su fermer l'œil. Elle. Oh, tu parles d'eux qu'elle beaucoup. Deux aussi, quoi. Bah, tu loues cet œil, le gravier va gonfler. Ah, bah, il en ferait plus que ça, tiens. Chérie, s'il te plaît, tes amis t'attendent. Parce que t'appelles ça des amis, quoi. Hein? Tout à l'heure, à l'église, quand M. le curé m'a demandé « Jurez-vous fidélité ?» Eh ben, toute l'église, elle s'est mise à rigoler. C'est qu'ils connaissent la bête. Tu vois, pour que la fidélité soit jouable, il faudrait qu'il y ait une date de fraîcheur dessus, comme sur les yaourts, hein? Bien sûr, ouais. Tu le donnes cet œil. Tu vois, en tant que publicitaire, je te le relouquerai, moi, ce mariage. Regarde comment je suis habillée, hein? En habit? Non, en pingouin. En fait, je suis manchot, mais en plus, je suis borne. Oh là là! Quel plaisir, c'est portable! Oui! Ah, moi, je suis pas dit, mais hier, j'étais à un enterrement. Et il y avait un portage qui sonnait à l'intérieur du cercueil. Non, mais attends, c'était le portable de la bébé que j'ai oublié de lui retirer. Imagine, oui. Imagine deux secondes que la mère est fondue. Allô, ici, c'est l'enfer. Oh là là, il fait chaud. Ils s'en foutent que ça les chauffe pas, je veux ça. Mais c'est bon, j'entends rien. Oh, oui. D'accord. Hop là, premier coup de ah, ok, je fais le nécessaire. Un peu plus, il était trop cuit. Ne faut pas gâcher la nourriture, comme disaient nos parents. Ah ben les parents, s'ils étaient prévoir ce qu'ils étaient devenus, ce serait sûrement abstenu, hein. La gentillesse du jour. Bon, on peut retourner à l'auberge maintenant que je t'ai dégringolisé. Ah non, ouais. Lucie, Michel, notre futur président va se pointer au hélico. Faut que j'aille ranger les transats, là. Hein? Ah, au téléphone, c'était Michel. Oui, allez. Bonne surprise. Ah non, hé, je veux voir personne de la noce, hein. Je veux voir personne. J'y vais, c'est bon. Voilà. Allez, bah, je n'ai que deux jambes, hein, et on fera une garantie. Bonjour, madame. Mais quelle noce? Ben, celle de Jacques et de Corinne. Vous n'êtes pas un invité? Ah, parce qu'en plus, il se marie. Mais vous n'êtes pas un ami de Jacques? Pas encore. Il est chez Louis. Oui. Vous savez, hein. Il a déjà beaucoup de mal à assister à son propre mariage. Et bah ben, tiens, je lui dirai où vous êtes passé, monsieur. Alors, comme ça, il se marie. Ah, ben, ça tombe bien, j'ai un cadeau pour lui. Je lui remettrai votre... Je préfère le remettre en main propre. Donc, on aura rigolé à ce mariage. Mais allez-y, asseyez-vous. Merci. Et dites-moi ce qui vous chagrine. J'ai absolument aucune envie de parler, madame. Super. Il y a de la joie. Bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie. Eh bien, dis donc. Et même à Roissy, les filles ne sont pas bien balisées. Hein. J'ai passé, oui. Oui. Mon pauvre ami. Mon pauvre ami. C'est qui? Ah, vous enfin. Bah merci, fallait pas. Bon, et si on y allait, hein? Vous pourriez tout de même l'ouvrir au moins. J'ai fait ça, Jacques.
Tu pourrais quand même nous dire que monsieur puisse repartir. Bon, voyons voir. Non ! Et qu'est-ce que vous avez crié comme ça ? Madame ne doit pas assister à l'ouverture du paquet. Bon, écoutez, monsieur, j'ai déjà eu une matinée chargée, alors. Hein. Eh bien, accordez-moi 3 minutes. Bon, d'accord, 3 minutes. Dis donc, Lucie, tu veux pas y aller l'arrivée de Michel, s'il te plaît ? Hein ? Allez. Paquet piégé. Tu vois pas comment il est habillé ? Tiens, un corbeau ! T'as qu'à accepter, là ! On dirait un portrait robot ! Eh, n'oublie pas que moi j'étais pas dans ce sport-là, hein. Et surtout en karaté, hein ! Et sans prononcer de grammerie aussi, oui ! Hein ? Bon, voyons voir. Non ! Mais arrêtez de crier comme ça, vous faites peur, vous ! Regardez d'abord mon passeport ! Ah oui. Effectivement, oui. C'est bien vous, là. Avec votre air si joyeux. Et mon nom ne vous dit rien, peut-être ? Touri. Vous connaissez Emmanuel ? Ah oui, monsieur, par alliance. Je suis son mari. Ouais, que vous dites-vous, là ? Emmanuel n'a jamais été marié. Ah, parce que c'est pas vous, peut-être, qui tenez ma femme par le cou ? Sur cette photo ? Oui, effectivement. Alors comme ça, c'est vous le... Hélas, si. Enchanté. Je moi pas. Mais alors comme ça, vous êtes marié depuis combien de temps ? Oh, bah 7 ans, monsieur, 7 ans. Oh, 7 ans. Enfin, je veux dire qu'au bout de 7 ans, s'il y a un petit peu de mou dans le mariage, c'est normal. Hein. Et c'est moi le mou. Bon, elles sont finies ces 3 minutes. Dis donc, Lucie, je t'ai pas demandé de guetter l'arrivée de Michel, non ? Très bien. Je retourne me transformer en tour de contrôle, puisque c'est allé mon destin. Voilà, allez. Mais si ça gêne pas trop, je peux prendre mon radiocassette. Oui, mais alors vite fait, rapide, allez. Je me suis enregistré une comptine. Comme ça, j'ai toujours un morceau qui correspond au feeling du moment. Oui, bah tes états d'âme ne t'arrêtent pas, monsieur. Hein. Allez, allez. Non, mais je fais comme si... Au cinéma. J'adore quand il y a la musique sur les images. Et bah là, je vais m'arrêter. Ah, dans la chambre, j'étais tremblé, toi, tu vas voir. En fait, vous êtes venu me taper un scandale, en fait. Mais pas du tout, j'ignorais complètement. Bah, sachez que je suis aussi bouleversé que vous, à part votre existence. Hein. Le jour de mon mariage, je vous parlais d'un cadeau. Bah, je vous souhaite un bonheur bien plus durable que le mien. Oui, bah, ça, c'est mon problème. Hein. Et arrêtez de dire plus. Hein. En fait, ce que vous désirez, c'est que le gérant prenne votre femme, c'est ça ? Emmanuel ! Emmanuel ! Ouais, bah Emmanuel, on pourrait peut-être lui demander son avis, non ? Hein ? Bon, excusez-moi, je vous fais une petite scène de jalousie alors que mon alliance est encore toute chaude. On en reparlera demain, hein ? Mais demain, il sera trop tard, je serai dans les cieux. Comment ça, dans les cieux ? Ah non, mais dites pas, vous avez l'intention de vous suicider, hein ? Ah non, non ! Mais laissez-moi ! Ah non, ne faites pas ça, enfin pas ça ici, ni chez moi, quoi ! Mais non, quand je suis dans les cieux, je veux dire, je prends un avion. J'habite Tahiti depuis 3 ans. Depuis 3 ans ? Bah oui, en fait, faut que je vous dise, avec Emmanuel, nous étions séparés. Mais alors, de quel droit vous venez polluer mon mariage ? Et Emmanuel, vous êtes dit, elle m'aimait ? Hein ? Bah, je savais qu'entre elle et moi, tout était foutu. Vous voulez dire foutu ? Oui, c'est parce qu'à Tahiti, tous les U se prononcent où et... Non. On en était où ? Bah, je ne sais pas, je vous demandais, vous saviez que vous étiez coucou ? Je m'en doutais depuis le jour où j'ai reçu cette lettre. Qui m'a fait mal fu ? Je vais vous la lire. Jean, c'est moi. J'ai passé un Jack, c'est vous ! Un week-end sensuel, elle est formidable dans sa résidence secondaire. Et comme ça, m'a été pris à Paris par un J'ai passé une chose entière ici ! Ouais, bah ici ! Ouais, bah ici, ou ailleurs, quand on habite à Tahiti, on est plus à 100 km près, non ? Est-ce qu'elle va aller au courant de ce mariage ? Franchement... Bah, au point où nous en sommes. Bah, je voulais lui faire la surprise. Bah, vous auriez dû lui dire avant son grand départ. Et bah, justement, je voulais pas lui gâcher son départ. De toute façon, je lui ai toujours dit que j'étais marié, donc c'est avant que j'avais menti. Bah, vous avez une singulière notion du couple, vous. Oui, bah, écoutez, mon cher monsieur, à sa femme, on promet le mariage, et à sa maîtresse, on promet le divorce. Emmanuel ! Emmanuel ! Oui, bah, là... Emmanuel, elle est pas là, hein. Eh ben si, monsieur, nous sommes venus ensemble. Comment ? Vous êtes fous ? Elle est où ? Elle est ici ? Mais non ! Elle est là ! Mais, dans le jardin, elle va tomber sur Lucie ? Mais non ! Elle est là !
quelque sorte. Je crains le pire. Ça doit être un cactus. Ah oh, mais c'est pire qu'un cactus. Bon écoutez, vous direz que vous venez, parce que moi ma femme m'attend. Hein bah, vous avez de la chance. Car la mienne n'est plus. Comment ça n'est plus? Elle est morte. Comment? Oui, Emmanuel, morte. Emmanuel, mon Emmanuel à moi. Oui, notre Emmanuel à nous. Oh, c'est horrible. Son hélico s'est crashé à Hawaï. Mais c'est arrivé quand? Ah bah il y a 8 jours. Oh, c'était si brutal. Oh, je suis complètement rien. Oh, ma femme vous aimait, je le sais. Et vous l'avez rendue heureuse, je le sais aussi. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Et... elle était... si sensuelle. Si sensuelle. Mais ça suffit. Je suis au courant tout de même. J'en ai un petit peu profité. Je suis complètement bien aussi. Et en fouillant ces papiers, j'ai retrouvé ces vœux testamentaires. Ça vous concerne. C'est officiel. Je désire être incinéré et que mes cendres soient dispersées sur notre lit d'amour. Celui de Jacques? Voilà pourquoi je vous ai ramené son ours de funéraire. Elle est là-haut. Ah bah oui, j'ai compris, elle est au ciel. Mais non, votre chambre, elle est là-haut. Mais ça change rien, mais c'est pas vrai. Vous avez pas le droit, attendez, puis c'est pas légal, puis c'est pas propre non plus. Ah, mais laissez-moi passer, plus vite ce sera fait, plus vite ce sera terminé. Ah non, pas sur mon lit nuptial, hein. Monsieur, là, c'est vrai, les dernières volontés, c'est sacré, même si c'est une oubli. Ah non, mais rendez-moi pas ma femme, monsieur, là, c'est vrai. Rendez-moi ma femme. Je dis quoi, Michel? Bon, et vous allez dans la chambre ici, hein. Allez, hop. Monsieur Alexandre. Un cendrier. Tu as acheté toute vite pour un cendrier? Bon. Tu veux permettre que j'aille me refaire une petite beauté avant de partir? Mais tu vas pas dans ta chambre, hein, tu vas dans la salle de bain. La glace, elle est plus grande, t'auras une meilleure vue sur les dégâts, comme ça. Les dégâts. Faut pas les gravats entiers, hein. Entre nous, heureusement qu'il y avait l'hélico, tu sais. Sinon, je n'aurais jamais été là ce soir à Merlimont pour lancer ma campagne électorale. Mais pourquoi des feuilles tu changes la date au dernier jour? Ça tombe juste le jour de mon mariage. Ça sert à féliciter quoi? Quelle journée atroce aujourd'hui. Faut pas dire que Corinne avait un malaise. Ah non, non, voilà, c'est bien, incroyable. On va passer au jour de sérieux. Oui. Lucie va t'accompagner au banquier. Lucie! Je n'ai nullement l'intention de participer à ton banquier. Et d'autre part, j'ai une très mauvaise nouvelle à toi. Si je fais une boîte à son aujourd'hui, je cumule. Pardon? Mes petits chéris, moi je suis parti, hein. Il n'y a pas de bêtises, hein. Dis donc, Michel. Oui, t'as vraiment la tête des mauvais jours. Jacques, je te quitte. Ah, mais m'a fait peur, cet abruti. Non, tu sais quand même. Mais je suis tombé sur le corbeau. Comment? Il y a un corbeau dans la maison. Attends, c'est une vampire, ça. T'as qu'à ouvrir la fenêtre, qu'il s'en aille. Comment va votre délicieuse Clarisse? Pas terrible en ce moment, mais alors pas
terrible. Oh non. Oui. Ne me dites pas que les agrafes de son lifting ont cédé. Mais non, pauvre gourde. C'est pour une urticaire géante. Moi, j'ai trop fraise. Oh. Ouais. Mais elle doit être cramoisie, alors. C'est pas une couleur qui lui va autant. Ça, c'est sûr. Ça y est, le gros est parti. Il a même laissé une pleuvie, non? Je l'ai crié. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Ligne-le, on aurait pas dû t'en crier. Arrête ton âge d'avoir des bleus. Fais une couleur qui va avec tout. Bien. Bon. Bon. Moi, je vais voir. Attends. Toi, tu t'en vas par là. Je vais te casser, enfin. Ah, ce oui. soir, c'est moi qui mets le feu au dance floor. Lui, c'est la DJ. Et je vais commencer avec une chanson énorme. Tu veux savoir, hein? Ah, non, non. Tu veux savoir, hein? Je vous la fais quand même. Moi, je veux mourir sur cette fleur. Bon, moi je vais faire quelque chose de frais. Voilà. Jacques, j'ai décidé de confier toute ma communication à une agence qui, elle, fait des résultats. J'ai nommé l'agence Radada. Attends, tu fais marcher mon plus grand concurrent? Attends, mais n'oublie pas, c'est moi qui t'ai créé le business, non? Ouais, sauf que toi, j'ai des affiches au télévision Frankenstein, hein, t'as vu le truc, là? Oh, attends, trouve-moi une erreur, une seule, vas-y, une seule, et je m'incline. Jacques, tu es has-been. Has-been, et moi j'ai tard de 109. Tu peux sortir de Frankenstein à Dracula, tu vas progresser, mon ami, tu vas progresser. J'ai dit, entre-nous, avec toutes les pentes que t'as plantées sur la tête de Clarisse, faut que je trouve une, ça te pas gauche. Ouais, tu comprends, c'est différent. Et puis entre nous, avec tous les dossiers de temps, j'essaie pas trop de faire changer. Hein. Oh, mais pourquoi après tant d'années dans ça, tous et les règles? Mais non, c'est normal, hein. C'est normal. T'as vu le nombre de cadavres que tu laisses derrière toi? Hein? Oh, puis d'autre part, t'aurais pu prendre ma décision comme tout le monde. Par votre presse. Mais ça va, vas-y, fais une voix davantage. Toi, dans le genre faux cul, t'es vraiment le maître et talent, hein. J'applique tes conseils. Alors là, j'applique tes conseils. Attends, c'est quand même bien toi qui m'as dit qu'en politique, on ne pouvait pas réussir sans trahir ses amis. Hein? Bon. Allez. Sans rancune. Merci, mais on a quelques problèmes pour voir. Jacques. Au revoir. T'en fous que tu vas suivre. Michel, attends-moi. Comme s'il fallait la refroidir davantage. Hop. On est là.
En plus, sans bien déconner. Ah, c'est parce que j'ai fait un travail à moitié, puis c'est tout. Par contre, ça va être plus cher que une mère. C'est quoi ça? C'est parce que je me suis trompé. Bah, et où? T'as mis là? Je suis passé, oui, j'en veux ma femme tout de suite. Oui, bah, attendez, bougez pas, on va la trouver, hein. On va chercher, on va faire un dîner. C'est pas elle? C'est pas elle non plus? Bah, non. Mais ça va, c'est pas elle? Ah, mais du coup, je sais pas. Je suis sûr que vous avez caché ma femme quelque part. Mais vous l'avez mis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas ce qu'elle a fait. Mais enfin Lucie, c'est toi qui as pris ça, tu sais pas ce que c'est, malheureuse. Non. Eh si justement, et je sais que c'est pour ta consommation personnelle. Et c'est Corinne qui va être heureuse. Elle va être heureuse, on va t'en expliquer en tout cas quoi. Tu retournes à l'auberge, hein. Allez. Monsieur la Ségoué, l'important, c'est d'accomplir son devoir. Mais c'est pas vrai, Marco. C'est mais donnez-moi cette tête, lâchez ma mère. Ah monsieur la Ségoué, donnez-moi une merde. Oh bah, il y a des journées comme ça où tout bascule. Ma femme, vous l'avez laissé tomber. Mais maintenant, elle est partout. Regardez ce qui est arrivé par votre faute. Mais c'est pas de ma faute, c'est vous qui m'avez tapé la cruche, non? Je ne m'impose pas, on va pas laisser comme ça tout de même. Bah non. Il y a un aspirateur, lui. Je ne sais même pas. Ah là, le plus tard, j'avais l'intention d'aspirer. Il est manuel, non? Ah, parce que vous avez une meilleure idée, peut-être. Mais ce type est un malade. Attendez, un petit peu de délicatesse, non? Emmanuel mérite mieux que ça. Hein? On est à 5-9. Ah, oui. C'est ma fille, c'est ma femme. Non, non, laissez, monsieur. Ah, bah, dis-le, rien fait, tu vois. C'est bien vrai, ça. Ouais, ouais. Mieux vaut tard que jamais. Ah. Oh, j'hésite, hein. Oh, moi, j'hésite. Pourquoi? Bah, je me demandais si... je pouvais lui passer dessus, comme ça. Alors comme ça, monsieur va se tomber dans l'aspirateur. Bah oui, vous voulez vérifier? Non mais, il y a peut-être un convenu
Monsieur m'a confié le budget de sa campagne publicitaire. Non mais parce que tu crois que c'est chaud pour faire du business? Mais il est arrivé comme ça, là, à la province, et puis il y a des millions en faisant, des millions. Mais tu ne vois donc pas que je vais exploser? Mais retenez-vous, trésor, retenez-vous. Ah, ma chère nerveuse. Ah bah alors là, je suis gâtée. Tiens, mais ta main, t'as senti? C'est qui? Il est con aussi, lui. Il est solidaire, lui. Bon, maintenant, on repart au banquet. Parce qu'une femme enceinte qui se marie, c'est déjà pas le boulot. Mais toute seule, là, je rentre dans le lit des corps. Tu peux tout en terminer, madame. Il y a plus. Ah oui, c'est bouché, il y a plus d'air. Bah, c'est pour ça qu'il est plein. Pardonnez, j'ai plus chaud. C'est mon sac fétiche. Ça fait que celui-là que j'ai décroché le marché. Et bon, change-moi le sac qu'il y a. Ouais, madame, l'affaire est dans le sac. Si dans 5 minutes on n'est pas la noce, je divorce. Ne me portez pas. La prochaine fois que j'inviterai toute la famille, ce sera pour ton enterrement. Au moins, je serai sûre que tu seras là. Au revoir, madame. Mes vœux de bonheur. Merci. Hein. Oh. Bon, pour votre femme, on fait quoi là? On met un sac neuf ou on finit balayettement la poussière? Non, non, c'est juste, c'est terminé. Ouais. Je vais la bourrer dans le sac. C'est bizarre, votre truc tout de même, monsieur la Ségoué. Bizarre? Bizarre? Ah oui, c'est étrange tout de même, votre femme plutôt, toi et vous la revoyez. Oh non, mais c'est plus tant qu'elle est enceinte, maintenant qu'ils sont deux. Eh ben vous allez être au courant, cette grossesse. Bon, c'était lui faire de la peine inutilement. Et votre femme, elle attend quoi? Ah bah maintenant que j'ai régularisé, elle attend que je crève. Elle attend quoi, une fille ou un garçon? Ah, l'échographie, ce sera une layette rose. Ah, j'espère au moins que vous l'appellerez Emmanuel. Oh, Emmanuel, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait subir. Oh. Elle a fini de traîner maintenant. Voilà. Tenez, je vous la confie. Oh, merci. Mais c'est pareil, même j'ai du genre magnifique. Vous n'allez tout de même pas lui refuser ce qui nous coule plaisir. Je crois que vous ne partirez pas sans l'avoir attendu sur mon lit. Oh non, j'ai plus que vous me retarder. Il faudra devoir me supporter. 3 heures et plus. Oh non, pas 3 heures. Bon, allez-y. Procédez. Oh merci. Allez bien, mon amour. Je vais te saupoudrer. Attendez, je peux quand même assister à la cérémonie, non? Allez bien, parti, vous voilà les enfants. Mais c'est pas vrai, c'est pas une fière que j'ai, c'est un bon moment. Et après, on va pouvoir aller s'éclater à ton voyage. Mais tu crois que j'ai vraiment le cœur à boire du champagne et puis aller danser? Mais allez, en plus le plat est servi. Pomme de terre sous la cendre. Pomme de terre sous la cendre. Tu sais, au banquet, il s'appelle l'Arlésienne. Ouais, bah dis-moi comment je t'appelle, toi, hein. Le coucou suisse. Tu sais, Jacques, ouais. Mon bonheur, c'est toi. Bah, qui c'est ici, mon bonheur, moi? Bah, c'est moi, mais sans toi. C'est pas grave. Je pense que je t'ai créé de toutes pièces. Oh, quelle horreur, j'ai l'impression de m'entendre. Et que sans moi, tu seras encore en train de vendre des préservatifs sur le marché des tables. Tu vois, ce qui serait bien, c'est que Michel revienne et me dise « Allez, Jacques, retravaillons ensemble. » Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein? Non, attends. Tu veux dire que Michel te quitte? Après tout ce que t'as fait pour lui? Monsieur l'a secoué. Bah, il est encore là, le tambour? Vas-y. Il est dans ta chambre? Je vous attends pour le lit. J'ai l'impression de comprendre. Pardon? Mais dis pas entre toi et... Non.
Enfin, dis, qu'est-ce que tu voulais insinuer, hein? Toi, en fait, le jour de ton mariage. Non, mais... Mais vraiment, toute ta vie, il aurait fallu que tu ignores. De toute façon, une partie d'enfant, ça aurait obtenu satisfaction. Mais je comprends pas maintenant pourquoi il pleurait quand il est arrivé. Tu t'avais caché ton mariage, oh, le pauvre bichon. Bon, en attendant, moi, je retourne voir l'officier. Monsieur Lassegoué. Oui. Je vous attends pour le lit. J'arrive. On y va. Je ferme la porte. Je ne voudrais plus qu'elle s'envole. Avec Aspie, le couple Aspie au bonheur. Voilà.
pensez-vous? Je pense que j'aurais jamais dû me marier. Corinne, je vous présente... Bien ma femme, voyons, ma femme. Bonjour. Vous avez des enfants, madame? Encore. C'est des autres messieurs-fils, pourquoi? Parce que nous, on n'attend plus personne. Mis à part le marié. Alors comme ça, vous ne m'aurez pas de m'avoir fait confiance, n'est-ce pas? Ah, si je suis venue, c'est que vous avez bien de C'est ça, c'est ça. Oui, madame. Bon, notre entreprise se limite aux aspirateurs? Mon entreprise? Madame te demande si nos usines fabriquent autre chose. Oui. Et parce que mon fer à repasser est tombé en panne. En l'honneur de votre mariage, j'ai le plaisir de vous offrir la nouvelle valeur passée. Très aimable, madame. J'ai bien que dire de plus. Vive la mariée. Merci, madame. Bon, je monte chercher l'album de famille pour oncle Afonso et tante Marie. Je reviens. Allez, allez. Pour toi, ton fer à repasser, tu peux te virer bien l'eau chaud. Quand ils m'ont fait une voiture, je n'ai pas refusé. Heureusement, sinon ça va partir au quart. D'abord, se faire repasser, c'est pour fêter ma rencontre avec ta femme. Tu sais, c'est tellement mignon de diviser mon trésor. Mais je l'ai épousé pour son argent. Trésor, c'est le diminutif de trésorerie. Ta future paternité, ce sont les intérêts. Tu ne m'avais pas dit que tu ne la touchais plus? Même pas une toute petite fois? Non, mais tu sais, des fois, la nuit, un petit peu somnambule. Il est somnambule. Alors là, il est costaud, le minou, hein. Il se reproduit même en dormant. Ça dit d'ailleurs que je suis assez voué. Ça vous fait pas sommeil trop agité? Mais c'est dégoûtant, c'est pas ça sur le lit. Mais c'est le plâtre du plafond, ça donne un petit peu de poussière sur le lit. Mais c'est de ma faute, je me suis permis de ramener de Tahiti du sable du lagon afin de tester la force de nos aspirateurs sur un support mou. Et voilà, sur un support mou. Non mais vous croyez que ces jours pour me rabâcher les oreilles avec un support mou? Non, non. Voyons pas plus de poussière dans l'œil. C'est pas ce que c'est que d'avoir un corps étranger en permanence dans l'organisme, non? Alors pour sûr, depuis 9 mois, ça j'ignore complètement. Eh, pourri, c'est grâce à vous, vous appartient. À vous d'en faire, hein. Vous n'êtes pas rendu. Comment on fait pour enlever un 25 mois? J'ai jamais fait ceci. On va lui faire la pétienne. Oh, vous inquiétez pas, monsieur Lassé. On s'occupe de tout. Par contre, il faut que je me mette à l'aise parce qu'en fait, je vais vous aspirer la poussière dans votre œil. Il se trouve qu'à Tahiti, j'ai fait beaucoup de plongées. Je vais venir plonger dans votre œil. Il faut un petit peu de concentration. Ne touche pas mon minou, tu fais sauter. Attention. J'attends que les dernières bulles remontent au cerveau.
dans la chambre. C'est pas vrai, monsieur. Mais il n'y a pas une mort pour ça. Ah bah si. Oh non. Il y a un bouton. Vous les connaissez en plus. Et pas un petit coup. Mais vous n'avez rien cassé au moins! Bah non! Oh, putain, aussi, mon portable! T'as pas moyen d'appeler les secours! Bah, comment vous avez fait pour revenir jusqu'ici? En stop! Avec un touriste américain, en fait! Il pensait que j'allais une fête Halloween! En plus, il volait vite! Oh! Mais vite! Oh, c'est bien ça! J'ai vomi tout mon portable! Ah! On peut dire que c'est pas votre jour, hein? C'est ça que vous avez dit. Un corbeau dans une maison, c'est jamais bon signe, hein? Si vous saviez, nous en a fait du dégât. Bon, en attendant, vous bougez pas, je vais vous chercher. Non, surtout pas. Surtout pas. Ça fait 10 minutes que je gagne le départ. Je vous dis, quoi. Entre lui et moi, c'est son business. C'est terminé. Par contre, vous allez baiser. Très féminité. J'ai encore sa foi avec mon frère. Oh. Vous n'auriez pas pu vous écraser plus loin aussi? Vous trouvez des vêtements, puis vous appelez mon bureau et vous leur demandez un hélico. Mais je veux un hélico. Mon hélico. C'est plus facile à garer en plus. Et vous pouvez travailler une petite convention. J'avoue que ces émotions sont un peu grosses. Oui, c'est ça. Non mais dis donc, vous, vous croyez déjà au château? Oui. Je vous interdis d'ouvrir. Eh oh, ici c'est moi qui commande, figé. Alors vous, allez vous nettoyer et rentrez. Ça tombe bien. Le nôtre était naze. Faut dire aussi que Jacques fait chauffer des hot dogs avec. On a eu au magasin d'en face, hein. Ça, c'est incroyable comme on est bien implanté, hein. Ah ça c'est sûr, hein. Pour vous implanter, vous êtes très fort. Pas mal le papier cadeau. Chérie, tu veux bien reprendre nos affaires pour la prise? Et après tu chopes Jacques et tu lâches pas sans avoir obtenu un engagement. Tu crois pas qu'on a pas assez de ici? Allez, viens, on rentre à Paris. Déserter le champ de bataille sans avoir obtenu un seul trophée? Te crever, ouais. Ah, mais crever, tu l'as déjà fait, ta petite village de signal aujourd'hui. D'abord, tu sais, ce faire à repasser, c'est notre ticket d'entrée pour la noce. Ah, moi, j'en connais qui ont les dents longues, alors avec les tiennes, on pourrait creuser un puits de pétrole. Et où l'enfer? Voilà. Avec Roland dans une pause.
ce Michel Roland, c'est un VIP. Ça va pas lui paraître un petit peu brutal si je lui saute dessus comme ça? Non! Vous inquiétez pas! Allez, on dépêche! Voilà! Voilà, pas trop vite quand même! Michel! C'est bon, la voie est libre! Folle. C'est uniquement pour flatter ton ego.
Mais pourquoi tu choisis ce jour pour me sortir tous ces erreurs? Mais quoi là, hein? Ça t'arrache les cheveux de dire une fois dans ta vie. Lucie, t'es formidable. En attendant, laisse-moi seule. J'ai envie de trop baver. Non, pas mieux. Mais Lucie, tu es formidable, Lucie. Je suis comme un escargot à dégorger mon désespoir. C'est vrai, j'ai souvent été injuste avec toi. En fait, mon plus grand regret, c'est que bah, tu sois resté des filles. Ça, tu sais, c'est les 25 premières années les plus difficiles, hein. Franchement, on est comme immunisés, hein. Pitié pour rien. Ah bah si, justement. Tu sais, à chaque fois qu'il y avait un garçon qui voulait te draguer, eh ben j'allais vers lui et je sortais les pires atrocités. Tous ces lapins qu'on m'a toujours posés? Eh ben tous ces lapins, ben, c'était moi le blanc. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu m'échappes? Puis tu vois, ben, aujourd'hui, ben, je suis bien puni. Bah bizarrement, tu vois, ça me soulage que tu dis ça. C'est vrai, quand on y réfléchit, on n'a jamais vraiment parlé, hein. Non, on s'est vraiment jamais parlé. On s'est surtout crié. Oh. Ma grande nuit. Oh, mon chat. J'ai marié une femme que j'aime plus. Et j'ai perdu un boulot que j'aimais. Mais t'inquiète pas, tout va s'arranger. Et dès que possible. En fait, le seul bonheur qui nous reste, eh ben, c'est Emmanuel. Emmanuel? Depuis combien de temps? Bah depuis un an. Ah ouais? Bah dis donc, ça j'avais vraiment pas vu venir, hein. Mais dis-moi, elle est pas trop jalouse quand toi et Corbeau vous... Enfin Lucie, j'ai jamais été attirée par les hommes, puis c'est très bien que j'aime trop les femmes. Et surtout Emmanuel. Mais attends, c'est pas sa robe ça? Ça? Non! C'est des échantillons pour les futurs. Non, c'est sa robe, je me souviens, c'est moi qui l'ai dû acheter. La piscine. Pas la piscine. La piscine, quand elle voit une piscine, elle peut pas s'empêcher d'aller jeter sa tête. Allez, viens, t'as la piscine. Allez, viens, viens avec moi, on va chercher. Bon, c'est pas grave, je vais aller chercher dans votre chambre.
Corinne, Lucie se sent pas bien. Elle s'évanouit. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? La gifler, ça fait 30 ans ton rêve. Bah, t'attendras encore 30 ans. Non, mais c'est mieux, j'étais juste en manque de sucre. Corinne, vous inquiétez pas, je vais vous chercher la gifler. Allez-y, Trésor, je vous rejoins après, je m'habille. Oh, encore une faveur. Hein? Devant toute la famille. Et semblant de m'aimer, qu'il repartera chez lui. Mais pourquoi faire semblant, Trésor? Je vous aime. Je vous aime. Eh ben, dis donc, tu es beaucoup plus courageux quand tu fais l'autruche. Hein. Oh, où vas-tu? Bah, m'habiller. Non, enfin, tu peux pas rentrer. Mais tu vas te faire mordre. Et parti. Bah, le pibu. Oui. La germaine m'a demandé de faire du doxyting. Attends, du doxyting le jour de mon mariage, tu me fais marcher là? Oui, bah tant pis, hein. Tu peux essayer d'entrer, mais alors il est fort, hein, parce qu'il est méchant. Ah, il est méchant. Il est méchant, 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 il est tout méchant. Non, il a pas pas bien mon chien. Ça? Oh, c'est parce qu'il est castré, t'inquiète. Insultant. C'est quoi ça? Ça sort, bah, c'est des chiffons, mais tu vois pas comme ah, bah, monsieur, là, c'est moi. Je vous cherchais. Qu'est-ce que vous faites d'habiller en peignoir le jour de votre mariage? Vous allez prendre la part? Oh, oui. Dis donc, vous. Vous pouvez pas me chercher mes affaires dans ma chambre? Ah, bah, s'il vous plaît. Bah, vous savez, je vais lui donner une collation, ça devrait le calmer. Ah, bah, c'est vrai, j'ai pas eu ma saucisse cocktail ou ma grosse saucisse. Je m'en fous de vous, allez, dans ma chambre, vous, allez, allez. Oh. Bah, qu'est-ce que tu fais, non? Eh bah, tente une tarte aux framboises. Attends, une tarte aux framboises pour un pitbull, moi je mange quoi, ce soir des croquettes? La robe, tu vois Noël? Elle est plus dedans. Je cherchais bien, elle était coincée dans l'ourlet. Ah non, je dis ton rôle quand même ma soeur. Bon, écoutez que chacun gère sa soeur, hein. La piscine, c'est vrai. À chaque fois qu'il y a bonne piscine, elle peut pas s'empêcher d'aller piquer une tête dedans. Bon, tu me débarrasses de ce chien ou je le fais piquer, hein? Oh, ça va! Oh là là, heureusement que tu le vois pas parce que. Il a le poil tout hérissé! Il a le ventre tout méchant! Mais tu veux le chien maintenant? Je veux que tu sois d'origine anglaise! Un jour, mon cœur va lâcher. Mais qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? Je bichonnais le pizza. Ah, mais voilà. Et donc, j'ai l'impression que tu m'aimes encore, moi. Mais non, mais c'est que ma vie est faite de cloisons. Bon, principe étanche. Bon, allez, rhabille-toi. Hein. Il m'a donné soif, ton pizza. Ah, bah, Emmanuel, t'es là, je te touche, cherche partout. Ouais. Et bah, madame, pidulez-vous. Hein? Bon, vous deux, partez, hein, maintenant. Allez. Avant que tu n'engages Jean dans ton agence. Mais c'est quoi ce chantage? Mais demande à ta sœur, c'est très à la mode. Mais Mimi, je peux t'assurer que Jean a des idées géniales. C'est vrai, monsieur, là, c'est vrai. Tenez, rien qu'à Tahiti, on avait développé un concept génial. On avait collé des macarons publicitaires sur le corps du mainé, et comme ça, plus il y en avait, plus elles étaient rétribuées. Mesdames, payez vos vacances en faisant. Hein? Mais c'était quoi comme pub? Ah bah, par exemple, on avait fait les mastocs. Une pub pour vendre du mastic. Tenez, regardez. On collait le macaron publicitaire ici. Voilà. Sur le nombril. Et le slogan. Accrochez-vous le slogan. Avec mastoc, rebouchez tous vos trous en bloc. Son relief, hein. Alors, ah bah là, on avait fait Tonus Plus, une publicité pour vendre des miettes de thon. Alors là, oh, c'était le top, ça. On avait, donc on connaît un macaron aussi, hein, et le slogan. Le slogan? Accrochez-vous. L'été, mangez du thon, car c'est l'été thon. Ouais,
Et une publicité pour les pots de chakra, vous collez où le post-it? Ça prend un instant une nouvelle affreuse. Michel s'est crashé avec son hélico. Il est mort carbonisé. Réduit en cendres. Non, madame, je suis sûre que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas ici? Et que là où il est désormais, il est tranquille. Ça, c'est sûr, hein. Mais là où il est, il va regretter. Quand je suis sûre que là où il nous entend. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu seras qu'à ta place? Mais non, elle a qu'à faire le poirier. Faut pas vous expliquer. Non, regardez. Bon, on peut le bébé descendre. Si elle a la tête en bas. Mais alors vous, c'est vraiment un ramassis de conneries. Je sais pas, j'essaie de vous aider, moi. Je tourne. Madame, maintenant ça suffit. On se concentre. Alors j'ai compris.
Ah mon Jaco. Ouais, oh, pas de familiarité, on a pas gardé nos jours ensemble. Hein. Oh, oh. Mais d'abord, comment elle va, ma fille? Votre fille? C'est un garçon. Et je lui ai tout monté, il ne lui manque rien. D'ailleurs, on aurait peut-être pensé à donner 10 mois à bébé, non? Oh, t'as vu comme il te ressemble? Oh, mais je le voyais pas aussi frippé, moi. Oh, Richard, oh non, c'est pas... Oh non, oh, c'est bien. J'ai fait du bon travail, hein. Jack. Oui. Devant tout le monde. Est-ce que tu peux me jurer que tu m'as toujours été fidèle? Mais certainement. Mais que lui c'est un enfer, tiens. Est-ce qu'on peut me laisser tranquille aujourd'hui, oui? S'il te plaît, Jacques, Lucie vient de tout m'avouer entre toi et Emmanuel. Mais de quoi je me mêle? Un jour, je vais les triper, celle-là, tu vas voir. Ah, mais maintenant que je suis père de famille, bah, j'ai rectifié le tir. Rectifié le tir? Le tir? Là aussi, le mot bien choisi. On a tenté comme ça. Jacques, tu sais, je crois que mieux, ce serait divorcer. Divorcé? Mais alors? Mais si je compte bien, j'étais marié 2 heures, je m'en sors pas si mal, hein? Mais enfin, vous laisserez quand même le bébé par son père, hein? Oui, tu étais très présent pendant 9 mois, mais génétiquement parlant, le père c'est Michel Rollers. Attends, c'est facile de faire pour deux chapeaux, hein, Mono? Non. C'était comment avec le génétiquement parlant? Minuté. Très minuté. 15 secondes. Mais pourquoi on t'a pu faire ça et me cacher en plus? Un jour que t'étais pas là, moi. Ah bah, c'est bon. Hein, puis, plus pas que je suis présidentiel, hein.